voulais vous remercier encore, Hubert, pour tout à l'heure. Et vous dire que j'étais très fière de faire cette mission avec vous. Je comprends. À propos, je voulais vous dire, je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière. Vous connaissez ma vie, vous connaissez mon métier. Vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. Malheureusement, tout cela a un prix. Dolores, je vais être un petit peu brutal, mais... si jamais il devait se passer quelque chose entre nous, il m'est impossible de m'engager avec une femme. Avec moi, les victoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps. Ce sont des victoires courtes, compactes, passionnelles. Je ne sais pas vivre autrement de l'Ouest. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Et je me devais de l'entretenir. C'est très aimable. Merci, Hubert. Je vous en prie. Vous êtes aimable. Faut que ça se dise. Rien. Vous n'aimez pas les hommes. Et si, pourquoi? Je sais pas, vous retirez votre main comme si j'ai... Non, pas non plus, Hubert. Parce que je ne suis pas juif, c'est ça. Pourquoi vous dites ça? Ah, vous avez une religion qui est tellement... Tellement quoi? Et déjà, c'est une religion qui est interdite aussi, c'est me semble. Et oui. Et rien. C'est bon comme si c'était normal, pas tout. Pas de possible, pas d'alcool, des femmes voilées, enfin... Excusez-moi, mais enfin, c'est quand même... Quand même quoi? Mais ça fait un peu jacadi-adi, pas charcuterie, hein, vous pouvez pas? Non, je ne trouve pas. De plus, vous confondez les juifs et les musulmans. Ou sur les mots de vrai. Vos analyses sur les juifs, sur les noirs, sur les femmes, j'aimerais bien que vous les gardiez pour vous à l'avenir. Ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles.
vos analyses sur les juifs, sur les noirs, sur les femmes. J'aimerais bien que vous les gardiez pour vous à l'avenir. Plutôt vous qui avez l'air vexé, hein.